Eh bien salut tout le monde, c'est Max969 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Infamous First Light. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien comme je vous l'avais promis dans l'épisode 1. Enfin à la fin de l'épisode 1, nous allons faire un tag lumineux. Et on va voir si c'est pareil que dans Infamous Second Son. Oh là. D'accord. Tu ne vois pas mon viseur. Eh, c'est dur. En fait, faut contrôler la manette, mais il faut la laisser droite, la manette. Donc, c'est un peu chaud. C'est pas comme avant, fallait tenir ça comme une bouteille de... Oh, plus 2 SP, c'est pas mal. 2 améliorations disponibles, vous voilà, vous possédez 4 SP. Donc, on va faire amélioration tout de suite. C'était là. Comme ça, ça sera fait. Augmente la capacité d'énergie lumineuse de 25%. Ouais, bah je vais prendre ça. Écoutez. Ouais, ça sera ça et tout. Et on a le temps de prendre ça. Donc on va prendre. Oh là, il était par là. Il était où? Attendez, il y a un truc lumineux là, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Ok, il est là-haut. S'il vous plaît. Hop là, nickel. Ça va être un peu chiant s'ils sont tous en l'air comme ça. Ok, donc nous allons aller vers l'objectif. On va prendre les trucs rapides là. Wouah. Nickel. Ah, j'en ai récupéré en passage. Hein? Il y a une barre ici, c'est quoi? Ah, c'est pour dire qu'il y a plusieurs néons, je pense. Hop. Donc je récupérerai les trucs au fur et à mesure plus tard, moi-même, quoi. Ah, merde. Putain, le con. Ouais, je les récupérerai plus tard, quand je jouerai tout seul. Donc, voilà. Je voudrais quelques... Ah, s'il vous plaît, comme on sort d'ici. Tout simplement, comme ça. Ouais, donc je ferai tout ce qui est mission secondaire et tout, tout seul. On veut juste faire l'histoire. Comme on avait fait pour Infamous First Light. Pour comme tous les jeux en monde ouvert, vous voyez qu'il y a pas mal de missions avec les... Les courses là, peut-être qu'on va en débloquer d'autres plus tard. Et puis on arrive bientôt à l'objectif. C'est juste en bas normalement. Ok, ouais, c'est juste là. Voilà. Fetch! Le camion est plein. On remballe. Attends-moi, mec. Je crois que j'ai déclenché l'alarme en entrant pour prendre les flingues. Si les Akula nous rattrapent, t'as intérêt à me couvrir. On y va, t'inquiète pas. Écoute, Trésor, s'ils découvrent que c'est moi qui pique le matos, il y aura des représailles. Et j'aimerais franchement éviter ça. Mais t'as une porteuse dans ton camp, ils vont se faire laminer. On apporte ces armes à tes hommes pour qu'ils puissent chercher Brent. Et on est bon. Ils volent nos flingues! Fetch! T'éloigne pas, je gère. Waouh, il est rapide! Où t'as appris à te battre comme ça? Dans la rue. Et je regardais beaucoup d'animés. Faut croire que c'est plutôt formateur. Fetch! Tac. Alors, grenade droit devant! Vite, t'as quelque chose! J'ai rien fait du tout. Ah, on est coincé. J'abandonne le camion. Couvre-moi, je pars. Non. Tu calmes, dégage la route. C'est plutôt difficile.
suis pas censé arrêter le temps ou je sais pas quoi. Salut toi. Les combos, j'aime trop les combos. Attends-moi, mec! Oh! Il est où, lui? Putain, c'était chaud! Attends-moi, mec! Qu'est-ce que tu fais? On pourrait se planquer un peu. Ça me permettrait de recharger les batteries. D'accord. Je connais l'endroit idéal. Bon, la voie est libre. Go! Par contre, c'est un peu chiant ça. Oh, c'est de la folie. Où est-ce qu'ils ont dégoté leur camion? Tu vois? Bien joué, la tube batteuse! Je vais essayer de couper par le parc! On aurait carrément dû faire ça dès le départ! T'es une vraie perle, toi, dis donc! Ok, je parlais pas, j'étais hyper concentré. En fait, ça vaut pas vraiment le coup d'essayer de tuer les mecs un par un. La voie devrait être libre. Pourtant, détruire les camions directs pour les voitures. Ces types abandonnent pas. T'as une idée? J'ai un plan pour fuir. Mais tout est une question de timing. Dwayne, t'es prêt avec le bus? Je te vois. J'arrive. Un bus? C'était qui? Attendez, il y a les Russes et... La vache. C'était sacrément bien pensé. Eh ouais. Des fois, tout marche comme prévu. Alors, comment ça se fait que je t'ai jamais vu aux infos? Une porteuse aussi puissante, ça doit être l'ennemi public numéro 1. Brent me recadre. Il m'aide à faire profil bas. Bon, c'est le terminus. On décharge ici. Ça me va très bien. Ouais, on fait une sacrée bonne équipe tous les deux là-dehors. Imagine ce que ça donnerait au pieu. Équipe tes hommes et envoie-les chercher Brent. Ou je te le fous dans le cœur, ton pieu. Mission accomplie, détroussage en règle. Voilà. C'était aussi simple que ça. Par contre, c'est bizarre. Hein. Hé, hey, tu calmes. Et si je te disais que j'avais déjà lancé des indiques à la recherche de ton frangin? Je te transmets leur position, ils ont peut-être déjà trouvé des pistes. Une seule phrase et tu remontes dans mon estime. Comment tu fais ça? Ah, on est texan ou on l'est pas. Ok, on va aller tout de suite à la prochaine mission. Les missions sont assez courtes hein, par rapport à... par rapport à ce Gunson. Mais les trucs ils sont gravaux quoi. T'es obligé de faire des acrobaties avec elle. Encore. Hop là. Pas mal aussi d'en récupérer de temps en temps quand même. J'ai 5 SP. Ah tiens, on va faire un petit salut. Un petit tag. Calme. Hop. Ça va être un peu chelou. Je vais tenir la manette à deux mains cette fois. Tout à l'heure j'ai tenu à une main en fait. Bah c'est beaucoup plus facile à deux mains. Moi je vous le dis. Hop. Je fais un peu n'importe quoi. Attends, je vais me concentrer. Hop, hop, hop. Et là. Et hop, voilà. Waouh. C'est pour toi, Brent. Stylé. Hop, on va aller tout de suite à l'objectif. Hop, on va prendre des petits boosts. On va prendre un lumen en même temps. Ok. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je crois qu'ils ont fait qu'une seule mise à jour en plus pour ce jeu là, donc je sais pas après s'il est rempli de bugs ou s'ils s'en foutent complètement. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là il est censé y avoir un... Ah bah il est juste en haut. Alors, il faut monter sur le toit en face et... On va juste récupérer celui-là.
Ou... Non, allez. Je les récupérerai tous plus tard, donc au pire... Voilà, quoi. Tuer les Akula. Je viens d'apprendre qu'un gars à moi qui recherchait Brent s'est fait descendre par les Akula. Désolé, poupée, mais je vais arrêter les frais. C'est trop dangereux. Je m'occupe de la protection. Dis à tes hommes que je protégerai tous ceux qui cherchent Brent. Ça va marcher. Dès que je l'ouvre, je la bats. Je dois faire vite. Shane, ton gars respire encore. Ravi d'apprendre que t'es forte à ce petit jeu. Pas trop compris. Parce qu'un autre de mes hommes vient de se faire repérer. Je suis dessus. Envoie les coordonnées. C'est quoi ça? Classe. Ouais. On arrête les frais. Non, écoute, si tes hommes sont grillés, faut qu'on en profite. Dis-leur d'aller au resto de l'AF près du port. Joignez le nid de sniper. Je les ai défoncés. On peut pas faire un truc sur eux. Oh, j'aime ta façon de penser. Hé, je vais garer le camion à l'arrière. Quand tu enverras la sauce, j'en profiterai pour tirer mes cadenas. Hop. Vraiment plus vite avec ça. C'est bueno quand même. Hop. Et hop là. Je vous présente la sulfateuse. Faut que je détruise le camion, je crois. Ah non. Shane, je fais diversion. Évacue tes hommes. Ouais, madame. Merde, mais il y a des mecs là. Ok. Mes gars se faufilent dans la ruelle. Les Akulas sont tellement concentrés sur toi qu'ils ont rien vu du tout. Super. Ils se sont envoyés. What? T'es chaud toi. Hop. Merde, j'ai un sniper sur moi. Hop, hop. Encore là. Shane, tout le monde va bien? Tes hommes ont trouvé Brent? Oh, mais c'est ici en plus le nid là. On la découvre. Wow, c'est incroyable, une véritable machine à tuer. Je suis pas un monstre. Je... Faut que je retrouve mon frère. Des fois, je disjoncte quand il est pas là. Dans ce cas, c'est ton jour de chance. Un des hommes que t'as sauvé a entendu dire qu'un lieutenant des Akula avait fait une descente à Georgetown. Si on peut trouver le type sur la vidéo de surveillance, on pourra peut-être remonter sa piste jusqu'à l'endroit où il tient Brent. Mais toi, t'es pas si horrible, en fait. Ah, est-ce que tu vas enfin permettre aux cow-boys de chevaucher le taureau? Les taureaux sont tous mal. Ah, tu t'arrêtes à des détails. Carnage à Seattle. Et je viens juste de penser en fait que je sais pas combien de temps on est, donc je n'ai pas mis mon chronomètre. Voilà. Hop. Non, mais il y en a, ils sont cravots quoi. Bon, heureusement t'as des toits un peu autant, enfin autant la même taille. Et des fois. Hop.
Mince, mais en fait c'est vers la gauche. Ok, je suis juste à côté. Quelle fois je pourrais faire encore une mission. Puis on se quittera là. What? Mais c'est qui me tire dessus, bordel? Voilà. Bordel. Une lumière. Moi je peux pas faire ça et genre l'attraper. Hop. Et il y a un truc avec. Allô? Fetch, bonjour, je m'appelle Jenny. Je bosse pour. Avec Shane. Je suis censée t'aider à retrouver un lieutenant des Akula, je crois. Par téléphone? On va se servir des caméras de la ville. Tu me donnes leur numéro de série, je cherche les vidéos. Je t'envoie les dernières coordonnées de notre homme. Attends, le numéro des caméras. T'es qui déjà? Jenny. Je travaille pour la municipalité et pour Shane parfois. Le numéro de série ressemble à un code QR. Je peux le scanner avec mon portable. Grâce à ça, je pourrais visionner la vie. On a un logiciel de reconnaissance faciale pour la police. Occupant. Oh merde, j'ai pris trop cher. Tu me donnes de l'argent? Non. En fait, le se rendre sur place, c'était plus... Ouais, en fait c'était un truc secondaire, je crois. Hop. Voilà, j'y suis. Trouvé. Ok, c'est bon. Il faut que tu scannes le numéro de série. The fuck. C'est notre homme. Suis-le. On va utiliser des caméras individuelles pour suivre sa piste. Je peux pas faire de recherche globale, ça déclencherait l'alarme au boulot. Il paraît que les Akula ont une planque pour leurs otages. Si on le suit, il nous mènera là-bas. Et Shane, y a quoi entre vous? Eh bien, toi tu cherches ton frère, moi il me fallait autre chose. Maintenant, quand Shane m'appelle, je l'aide. Faut juste que je fasse une extra gaffe entre nous. C'est quoi qu'il te fallait? Évite juste de trop tremper dans ce genre de choses. C'est qui ce type, au juste? Il fait du trafic d'êtres humains pour les Akula. Du trafic d'êtres humains? Tu parles d'esclavage? Tout juste. Je crois qu'il a des vues sur cette fille. Mais il faudrait que ça voie. Ah si. Oh putain. Bah, je trouve ça un peu chiant quand même. Elle accélère. Continue. Tu crois qu'elle l'a repéré? Continue. On va voir ce qui lui arrive. J'irai celle-là. Ouais. Qu'elle a pris le métro. Enfin, elle a pris l'escalier plutôt. C'est même pas le métro en fait. Après le métro, est-ce qu'il y a une caméra plus haut? Ah, c'est passé là, c'est qu'elle est passée là. Allez. Mais non, mais elle est peut-être partie par là. Putain, je suis con. Il y a une scène de crime ici. Oh. Il vient de tuer ce type. Et c'est eux qui m'ont... Oh
Ouais, ça a rien donné du tout. Donc elle est partie dans la ruelle là. La caméra là. La poubelle, elle est piégée. Se cache. Genre le mec a perdu son téléphone comme par hasard quoi. Jenny, tu peux savoir ce que ce type fait de ses journées à partir des données de son téléphone? Bien sûr, il me faut juste un peu de temps. Et il me connaît sa carte SIM. Je te l'envoie. On va récupérer mon frère et faire payer ses enflures par la même occasion. Sur la piste du trafiquant. Mission complete. Fetch, mon groupe d'enquêteurs est tombé sur une embuscade des Akula. Ça sent le roussi. Alors tu veux que j'aille tabasser les petits caïds du quartier? C'est ça? Ouais. Ce sera avec grand plaisir. Dis-moi juste où aller. Au fait, Jenny est géniale. Appelle-la, on tient une piste. Je peux aspirer la fumée. What? Comment les mecs ils m'ont trouvé, sérieux? Ah, ils m'ont pas trouvé en fait, c'est des mecs qui font des fusillades. Ah, j'ai raté. On va les défoncer. Oui que... pas vu. Mais j'ai eu le dernier mot. Garde. Ok. Bon, là-bas il y a un tag et on va se quitter là. Ouais, ça fait plaisir de faire quelques tags. Moi je trouve ça plutôt marrant. Enfin, personnellement, après, je sais pas si vous aimez tous. Oh là, celui-là il est grand. On va commencer par le bas. Oh. Hop là. Waouh. Plus de SP. Oh là, j'en ai 14, d'accord, attendez, je vais m'améliorer quand même. J'en ai 14, je peux en avoir pas mal. Donc je pense que je vais prendre ça. Ralentit le temps de 50% supplémentaire. Ouais, je vais prendre ça, et il me reste encore 6 points. Lance des éclairs 50% plus longtemps. Il n'y a pas normalement un truc avec des roquettes ou un truc dans le genre avec elle? Non, je dirais pas. Enfin, après, c'est peut-être dans les améliorations là où c'est verrouillé. Il en manque deux, mais je sais pas. Je vais faire ça. Hop. Normalement, si je cours, j'appuie sur triangle. Là, il n'y a pas d'ennemis. Bon bah du coup on va se quitter ici, je sais pas ça fait combien de temps qu'on est dans l'épisode, si ça se trouve il fait même pas 20 minutes, il est hyper court, mais bon. Tant pis. Wouah. Ça c'est classe quand même. Par contre il y a la grenade là, c'est mon classe. Ça je crois qu'elle m'a pas trop touché. Ok, donc bon on va se quitter là, je sais pas si j'ai arrêté un truc ou quoi, mais en tout cas, j'ai gagné. J'ai rien gagné du tout en fait. J'ai tué des mecs, j'ai rien gagné. J'entends plus rien.
voyez, j'entends plus rien. Ça c'est chelou. Ça se trouve, c'est la grenade qu'il a acheté qui fait ça. Ouais, enfin bref. Ah ouais. Non. C'est chelou, ça fait comme si c'était un... C'est comme si j'étais dans l'espace. C'est pas mal fait, les vitres se cassent genre, mais... Ils se cassent pas vraiment, quoi. Voilà, comme ça ils vont changer toutes les vitres. Parce que les vitres ça coûte cher. Ouais, enfin bref. Donc nous allons se quitter là. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Moi il m'a plu malgré que... Là je sais pas pourquoi on entend... Il n'y a plus de bruit en fait. Peut-être faire un start pause. Non. Non c'est assez chelou. Je vais peut-être relancer le jeu, voir si c'est normal. Puis au pire bah, voilà quoi. Donc bah on se retrouve pour l'épisode 3. Et je sais pas du tout on a combien de temps du jeu, mais je pense que ça va aller assez rapidement. Donc bah moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour l'épisode 3. Salut tout le monde.